faut savoir que j'ai une cuisine qui est assez créative, assez inventive, puisqu'on est sur un mix entre le Japon et le Pérou. Insérer à l'intérieur de la vanille permet d'ajouter des couleurs, une créativité en plus. Il y a plusieurs intérêts à marier une vanille avec la viande. La vanille du Mexique qui est très intéressante parce qu'elle a un côté très suave, très épicé. La vanille de Tahiti qui a un goût beaucoup plus rond. Très intéressant ce jus vanillé et un peu fumé. La vanille de Madagascar s'intègre très très bien dans les desserts parce que très fine, permet d'avoir beaucoup plus de subtilité sur des accords avec de la poire, avec du piment. C'est là qu'il faut que je parle de la qualité de la vanille, parce que le gras ressort, qu'elle est brillante, qu'elle a énormément de saveur et de sapidité.